sur l'embu Brumis, avec encore Tius Bord qui va allonger sa passe sur les extérieurs, avec Matt Guiteau qui va rentrer et donner, et libérer, voilà, sauter le plongeon de Dylan Hermitage. Un cinquième essai en faveur du RCT, le champion de France est bien là ce soir. Ouais, ils sont bien là, ils sont là dans tous les secteurs de jeu. Une conquête très précise, un ballon porté qui avance, qui met l'équipe, la défense briviste déjà sur le reculoir. Un temps de jeu avec Mazoué qui vient dans l'axe casser encore une fois cette défense. Côté briviste, ce qui faisait la marque de fabrique de cette équipe la saison dernière. Et là, un énorme surnombre à négocier. Thomas Guiteau négocie évidemment très bien en 4 contre 1. Dylan Hermitage qui vient marquer cet essai. Ce deuxième essai pour un match plein de sa part pour l'instant. Doublé pour Dylan Hermitage qui s'est envolé et qui permet au Rugby Club Toulonnais de s'envoler un peu plus également au tableau d'affichage. 34-13. C'est vrai qu'il n'avait pris qu'un seul essai cette saison à domicile en deux réceptions face à Clermont et Toulouse. Les brévistes, eh bien ce soir, ils en ont pris 5 en 54 minutes. Transformation du bord de touche de James O'Connor. Très haut dans le ciel d'Amédée Domenech. 2 points de plus, 36-13. Il fallait marquer.